C'est ça, ouais. qu'est-ce que j'ai merdé dans mon setup? Je sais pas pourquoi j'ai cet air dans la tête. Bonjour à vous, comment allez-vous ce matin? La forme, ça va? Tranquille. J'étais en train de dire, je lance mon live et c'est le moment où mes chats choisissent de se lécher les couilles. Ils sont tous les deux en train de se laver. <laughs> tous les deux, hein, vraiment, je, je vous jure. L'autre est là, là-bas, il est en train de faire sa petite toilette. Alors, attends, j'enlève ça, là. je ne sais pas si vous allez le voir. Hop, pipipip. Hop, pip, 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 pip. Non, Vous ne le voyez pas. Vous voyez mon autre écran, par contre. Un magnifique écran, hein superbe, superbe. Non, attends. <laughs> je ne pense pas que je puisse vous le montrer, finalement. Bref. Bonjour euh, bonjour, mon chat, il peut plus, il peut plus se laver les. Ah ouais Ah oui, parce qu'il en a plus. Bah, pff, les miens non plus, ils en ont plus, hein, si, tu, si tu veux savoir. Mais il se lave à cet endroit-là, quoi. Voilà, oh, chaton, Ouais, tranquille. Attends, parce que c'est quand même un sketch. Ça. Je sais, ça, je sais, je sais, je, je, je vais pas y arriver. Ce chat est un sketch. <laughs> Regardez-le là. Genre, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux <laughs> Ce chat est un sketch. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à le dire. Alors, bonjour Franck, bonjour uh, Trogiby, bonjour. Je ne sais pas si on dit Trogibay, Trogiby. Tu me dis Trogiby, peut-être. Bonjour Farley, bonjour Candice, bonjour Nomads. Comment allez-vous ce matin Bonjour heureux bonjour Candice, parce qu'on s'est envoyé des petits messages ce matin. Vous savez, c'est ma petite sœur. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas venue ou alors, t'es venu, mais t'es juste resté en regardage. Je dois aller au commissariat de police ce matin, donc je vais partir vers 8h45. Euh, autant vous dire que je vais rester 1h15 ce matin, pas plus. Euh, Est-ce qu'il faut que j'y sois à 9h Trop guibé. Ok. Trop guillemets. Ça marche. Je t'avais déjà demandé, je crois, en plus, tu m'avais dit déjà. Euh, ouais je dois aller au commissariat de police alors rien de grave hein, c'est juste pour aller chercher euh, une attestation de stationnement euh, pour, euh, pour pouvoir aller au bureau en voiture et là vous, vous allez me dire quoi tu vas au bureau en hein, voiture mais tu n'as qu'un kilomètre à faire bah allez-y faites-le le kilomètre sous la flotte là, euh, en grimpant euh, la pente et tout là ça me... hein allez-y allez-y je vous y vois bien vous hein Faire un kilomètre à pied, euh, 15 minutes de marche, là, 20 minutes de marche euh, sous la flotte qui pisse euh, sur vous comme ça et arriver trempé au bureau, hein On hein <laughs> euh, veut chez les parents. Ah oui, c'est vrai, ouais, ils m'ont dit en plus. Euh... Et le vélo, bah, j'ai pas de vélo, donc euh, comme ça, ça règle le problème. <laughs> en plus, ici, il n'y a pas vraiment euh, de piste cyclable. Les gens sont extrêmement dangereux. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu un mort euh, cette semaine en, en vélo de quelqu'un qui s'est fait tuer. Euh... Alors, on n'en a pas encore parlé, mais je vous ai dit, j'attends que ça refroidisse un peu parce que là, c'est encore très chaud. Il y a pas mal de, de publications de l'extrême droite qui, a, qui est en train d'attaquer les cyclistes. En fait, ils n'ont vraiment aucune honte. C'est toute honte, toute honte bue. Bonjour Tintamarre. C'est parce que j'ai une voiture trop belle aussi, j'avoue il bah, y a ça et puis il y a aussi le fait que euh, bah, le soir euh, j'aime bien euh, parfois euh, aller euh, autre part qu'à la maison et euh, ça m'arrive d'aller euh, à Paris ou ce genre de choses et euh, c'est vrai que c'est quand même vachement pratique d'avoir une voiture pour ça euh, pour et, euh, et ou alors d'aller à Choisy euh, ça m'est arrivé enfin euh, ça m'arrive beaucoup moins souvent maintenant mais elle a choisi et J'allais chez ma psy elle a choisi Et pour aller à choisi depuis Paris, a, depuis euh, Juvisy, il y a une heure de route en transport et, euh, et 20 minutes en voiture. Donc, si vous voulez, il n'y a pas photo. Et pareil, en fait, en ce moment, euh, c'est euh, un peu la galère, euh, les transports en commun euh, en région parisienne. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que je ne sais pas si vous êtes en région parisienne. Mais euh, globalement, les transports en commun en région parisienne, ça s'est vraiment, euh, vraiment dégradé et euh, ils ont alors ils ont changé ils ont mis un abonnement maintenant Navigo plus où tu peux euh, tu payes 1,85€ le trajet pour aller à Paris euh, en Navigo passe Navigo et tu payes seulement à la fin du mois tous les trajets. Donc ça c'est cool mais alors déjà il faut le faire le pass Navigo donc il va falloir que je m'en occupe euh, je je pensais le faire là je, je voulais le faire mais euh, apparemment euh, ils ne veulent pas prendre mon ancien passe donc c'est un peu relou. Euh, et puis, euh, et puis, euh, sincèrement, euh, ça reste quand même extrêmement compliqué de d'aller à Paris et de revenir de Paris. C'est vraiment galère. Euh, les transports quand tu quand tu vis pas dans Paris, les transports en commun c'est c'est l'enfer. Donc voilà. Du coup, euh, et et surtout c'est pas forcément pour aller à Paris parce qu'encore pour aller à Paris ça va, mais c'est pour aller tout ailleurs, euh, n'importe où ailleurs en fait, n'importe où ailleurs que Paris c'est l'enfer. Quand tu dois partir d'un endroit qui n'est pas Paris pour aller dans un endroit qui n'est pas Paris, euh, tu, tu galères de ouf euh, en région parisienne. C'est quoi <laughs> C'est quoi euh, Les transports en commun sont chers. Euh, OK. Les transports en commun sont chers en région parisienne. C'est extrêmement cher pour aller à Paris. Enfin, euh, extrêmement cher. On paye 10 euros aller-retour. Pour aller, alors, 5 euros aller-retour pour aller à Paris et 10 euros aller-retour pour aller dans une autre ville que Paris. Mais à partir du moment où tu dois passer dans Paris, tu payes 2,50 euros déjà. Et ensuite, pour ressortir, pour aller dans une autre ville, genre là, je sais que je dois aller le 31 octobre, je dois aller à Charenton pour le boulot. Donc, je vais y passer la journée. Figurez-vous que pour aller à Charenton depuis Paris, j'en ai pour 10 balles. Rien que pour y aller. Donc, ça me fait 20 balles aller-retour. Il me semble que. Non, j'en ai 5 euros pour y aller et 5 euros pour le retour. Donc, ça me fait 10 balles aller-retour et, euh, et c'est euh, un peu cher je trouve pour euh, le service que j'ai au final parce que il euh, euh, bah, y a un train toutes les 30 minutes pour le, pour le départ et après pour le retour c'est pareil il n'y a pas non plus des trains toutes les minutes quoi. Et, euh, et pour ça je paye 10 euros et je, je trouve que c'est un petit peu abusé 2025 le tarif unique bah... on va attendre patiemment en attendant, je vais donc passer au commissariat de police tout à l'heure pour aller chercher mon attestation et euh, attestation de, de stationnement. Et comme ça, je pourrai garer ma voiture dans, dans Jeuvisy pour aller travailler sans avoir à payer le parking. Et ça, c'est cool. Waouh! Attends, pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait. Euh... Ah oui, il y avait du monde, c'est vrai, ouais, pardon. Il y avait du monde vendredi. Je me disais, tiens, c'est bizarre, il y a 1053 vues sur la vidéo de Twitch la semaine dernière. Bah ben non, mais en fait, il y avait du monde vendredi. Vous êtes beaucoup moins nombreux ce lundi matin. Hein. J'imagine que c'est parce qu'il y a Host Politique qui est en train de faire son live aussi, en même temps. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end La D, un train toutes les heures. Ah, putain, l'enfer. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, vous euh, moi, je suis allée à, je suis allée à Paris. D'ailleurs, je suis allée chercher Solène au train. Alors, c'était cool parce que je cherchais une place et euh, j'ai une... je ne pensais pas arriver euh, à l'heure euh, dans le, dans le... devant le quai. Et, euh, et finalement, je me, suis... je me suis garée sur une place à l'extérieur du parking payant. Vous savez, les parkings souterrains, là. Je me suis mis sur, euh, sur une place dans la rue et, euh, et comme c'était dimanche, bah, c'était gratuit. J'avais pas pensé au fait que c'était gratuit. Du coup, j'ai eu trop de bol, j'ai trouvé une place euh, quasiment devant la gare. <laughs> je me suis garée là et euh, j'ai été chercher Solène et je suis arrivée euh, pile à l'heure. Je suis arrivée à, à, à 18h22, le train arrivait euh, en gare. J'ai attendu Solène et après on est rentré en, en voiture. Donc Solène est rentré, mais il est reparti travailler là ce matin. Donc, euh, il est un peu claqué, mais bon. Pas de matinale le lundi. Bon, bah, peut-être qu'il y aura du monde ce matin alors. Et, euh, et euh, du coup, non, ce week-end, euh, j'ai. Ah, j'ai regardé une série ce week-end. Pour changer. Je sais plus ce que j'ai regardé comme série. J'ai regardé deux ou trois séries même. Euh, oui, j'ai regardé Culte ce week-end. J'ai regardé, j'ai mangé Culte. C'est excellent. Super bon. Euh, super bonne série. Alors, il était content de sa semaine euh, bah, tu sais, passer une semaine sur un paquebot avec, euh, avec 8000 personnes, c'est pas forcément quelque chose qu'il rêvait de faire, même plutôt pas du tout. Donc euh, il l'a fait parce que sa grand-mère lui avait demandé et a tout payé, ou presque tout, parce que il a, ça lui a quand même coûté 1000 balles, ces conneries-là. Euh, mais euh, mais c'est pas, euh, pas quelque chose qu'il a beaucoup apprécié. Il, a, il y a une visite qu'il n'a pas faite. Euh, tu as été à l'hommage pour le cycliste ah, Je ne savais même pas qu'il y avait un hommage. J'aurais pu y aller. Euh, Culte, c'est une série sur. Euh, et bonjour à toi, Eratos. C'est une série, bonjour euh, Lingonas aussi. Je n'avais pas vu que tu étais là. Euh, qui parle de euh, Love Story, euh, la production de Love Story. Apparemment, il a tué personne. Il doit être fier et tradition. Euh, c'est avec euh, Anaïde Rosam, notamment, qui joue Alexia Laroche-Joubert. Et, euh, et c'est produit par... Euh, et bonjour Nicolas, et bienvenue parmi nous. Euh, merci pour le follow. C'est produit notamment par Alexia Laroche-Joubert. Ce qui est assez euh, drôle, euh, c'est que euh, la série montre une Alexia Laroche-Joubert horrible. Et ils disent qu'ils ne sont pas allés suffisamment loin parce qu'elle était encore plus horrible dans la réalité. Et, euh, et donc c'est une série qui a été publiée là sur euh, euh, c'est sur Prime je crois et, euh, et ouais c'est euh, c'est assez euh, c'est assez horrible comme série mais très intéressant alors c'est moi forcément enfin j'ai jamais regardé Love Story enfin je peux pas dire que j'ai jamais regardé parce qu'on l'a tous regardé par la force des choses que c'était un peu le truc euh, que tout le monde regardait, donc quand allais chez des potes ou quoi, euh, la plupart du temps ils voulaient mettre Love Story, j'avais une copine d'ailleurs, ça m'a fait penser à cette copine, je l'ai retrouvée sur Facebook hier, je lui ai envoyé une invitation, euh, j'ai une copine chez qui j'étais allée une fois et elle était à fond dans Love Story, du coup j'avais dû regarder ça une fois, chez elle, mais j'ai jamais regardé ça parce que dans ma famille on n'était pas trop penchés sur ces trucs là, euh, c'était vraiment euh, bah, c'était le truc euh, un peu scandaleux effectivement euh, à partir du moment où on a eu la scène de la piscine c'est devenu euh, le, le truc assez scandaleux. Samedi il y avait une manif de soutien pour Gisèle Pellico et contre la culture du viol sinon j'ai regardé Les Dents de la Mer film de 75, ça fait drôle de penser que ça, avait, ça avait fait peur à l'époque <laughs> c'est vrai quand tu regardes ça aujourd'hui tu as plutôt envie de te marier euh, mais je l'ai vu Les Dents de la Mer aussi il y a longtemps non mais tout le monde sait ce que c'est, en fait, c'est pas tout le monde a regardé, mais tout le monde sait ce que c'est, et par la force des choses, on a tous vu au moins une scène, si on n'a pas vu de scène, c'est qu'on a vécu dans une grotte, on a au moins vu une scène de cette, de cette télé-réalité, je veux dire la scène de la, de la, de la piscine, on l'a tous vu. enfin, on en a tous entendu parler, on a vu tous une image, vu que c'était sur la une de tous les, de tous les médias à l'époque, donc on a tous... Euh... Euh, on a tous euh, été impactés, euh, ni plus ni moins, enfin plus ou moins, pardon, sur, euh, par cette, euh, par cette, euh, cette télé-réalité. Je dis pas qu'on a tous regardé à fond le truc, je dis juste qu'on en a tous entendu parler, On sait tous, euh, c'est vraiment un truc qui a marqué son époque. Après, que ce soit culte, non, ça non, mais bon, la série elle a été produite par La Laroche-Joubert, Alexey Laroche-Joubert, elle est persuadée que ce qu'elle a fait, c'est génial, et que euh, ça a chamboulé toute une époque. Alors, effectivement, ça a marqué, hein, mais, euh, mais je ne dirais pas que, euh, que euh, l'héritage de cette chose-là est un héritage positif. Je n'irai pas jusque-là. Mais elle, euh, elle est, euh, Alexia Laroche-Joubert, La elle est persuadée que ce qu'elle a fait avec cette télé-réalité, c'est euh, révolutionnaire, génial. Euh, euh, que euh, c'était quelque chose qu'il qui fallait absolument faire, que, euh, et elle en est extrêmement fière. Et même encore aujourd'hui, si vous regardez les interviews, parce que du coup elle fait la promotion de cette série, si vous regardez les interviews, vous allez voir, elle est à fond, quoi. Elle est en train de dire, ah non mais c'était trop bien, euh, euh, moi je trouve que ça a marqué euh, vraiment positivement l'époque et tout. Enfin, elle est, elle est à fond sur le truc. C'était tout nouveau en France, c'était la première émission de télé-réalité en France. Ça venait, c'était issu d'une émission qui s'appelait Big, Big Brother, qui était diffusée, Big Brother, qui était diffusé, je crois. Alors je sais plus où est-ce que c'était diffusé. C'était des gens qui étaient enfermés dans un, dans un truc, mais c'était une compétition. il fallait s'éliminer les uns les autres. Et là, l'idée de Love Story, c'était que c'était un un... Des gens qui étaient rassemblés dans un loft et euh, qui étaient censés trouver l'amour. Donc, c'était que des célibataires, il y avait 11 célibataires et euh, l'idée, c'était qu'ils trouvent l'amour. quoi et Ils étaient éliminés toutes les semaines et, euh, et à la fin, il y a un couple qui a gagné. Et ce couple en question, euh, bah, c'était euh, le... un des mecs euh, de. Enfin, ouais, c'était Lohana, vous savez tout ce qui est Lohana, je pense. Qui a été marquée profondément par cette, par cette émission. Et dans la série, ils disent qu'elle avait un énorme QI, en fait, qu'elle était très intelligente. Et ils, ont fait, ils ont fait des tests de QI à tous les participants et ils ont découvert qu'elle avait un, un QI de 137. Alors, c'est ce qu'ils disent dans la série, je ne sais pas si c'est la vérité, mais euh, c'est plausible, en fait. Elle a tué Colanta. Pourtant, Colanta, est toujours en vie, non? C'est le début de la fin. Et bonjour, alors attends, parce que j'ai vu des gens qui arrivaient là, j'ai pas dit bonjour. Bonjour euh, Varo Macarina. dans le matin, le... pas encore levé, le soleil est encore tout rouge. <laughs> bonjour Garciorbe, comment allez-vous ce matin ça initialise ça a initialisé toute une mode de tv réalité pendant les 2000 ouais c'est ça même encore aujourd'hui de toute façon enfin on est encore après on est encore en 2000 <laughs> pardon je... je vous fais peur un peu euh, j'étais en CM1 effectivement on regardait pas du tout ça chez nous effectivement pas du tout par contre je sais pas si tu te souviens quand dis euh... enfin je vais pas te dire le nom mais je, je te dirai après j'avais une copine à l'époque moi j'étais en je devais être au, au... bah étais en CM1 donc du coup je devais être au collège euh, J'avais une copine à l'époque et, euh, et, euh, et elle était à fond. Euh, elle était à fond, elle s'appelait Elodie. Elle était à fond sur, euh, sur euh, Love, Love Story à l'époque. Et toute sa famille était à fond en plus, c'était marrant. Enfin, je crois que toute sa famille était à fond. La scène de la piscine, en vrai, c'est un épiphénomène. Par contre, l'arrivée de la télé-réalité qui est maintenant normalisée, c'est un vrai nivellement par le bas. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Et bonjour, Eratos. C'était déjà pas fameux la télé avant, effectivement. <laughs> C'est vrai, mais ça n'a pas aidé. Quand elle a repris en main Colanta, tout a changé. Mais bon, on va pas faire, on va pas faire le débat. Bah, je, je connais pas Colanta, donc euh, je n'ai jamais regardé non plus. Moi, je suis pas trop du genre à regarder de la télé-réalité. Ça m'intéresse pas trop. Donc, ce euh, que ce soit Colanta ou euh, Love Story, ou enfin, euh, c'était pas vraiment dans notre culture. On allait plutôt au cinéma, au théâtre. Euh, on regardait plutôt des films, maintenant des séries. Mais du coup, le fait qu'ils en aient fait une série pour euh, montrer l'envers du décor et qu'on voit ce personnage euh, interprété par Na Anaïd Rosam qui s'appelle euh, Isabelle dans la série, mais en fait c'est Alexia Laroche-Joubert. Isabelle de Rochechouart, il <laughs> y a Roche dedans. <laughs> mais, mais du coup, c'est bien Alexia Laroche-Joubert et que tu vois ce personnage. En plus, elle est produite, la série, par Alexia Laroche-Joubert. Mais le personnage d'Alexia Laroche-Joubert dans la série, d'Isabelle de Rochechouart, il est horrible. Enfin, t'as envie de lui mettre des baffes, en fait. T'as juste envie de la, de, la, de, la, de la faire fermer sa gueule et, euh, et qu'elle arrête, en fait. Elle est misogyne, elle est, euh, elle est violente, elle est, euh, elle est, psychophobe. Elle il euh, y a tout un tas de trucs qui vont pas du tout avec son, son, son personnage. Et le pire, c'est que comme la série est produite par cette personne-là, bah tu te dis, ok, d'accord. Donc en fait, c'est vraiment comme ça qu'elle est. Et elle l'assume complètement. Elle est même fière d'être comme ça. Elle est terriblement fière d'être comme ça. Alors qu'il n'y euh, a vraiment pas de quoi. <laughs> vraiment pas de quoi. Bonjour, Studio Dodu. Bon matin à toi. Il bah, y avait tout, ces mondes, tout ce monde-là. Bah, ça fait. Euh... Tu plus la télé depuis, depuis 20 ans. Et bonjour, villes. D'ailleurs c'est Waris Seville parce que je dis Waris Seville à chaque fois mais c'est un i ou c'est un l Ce que j'ai vu sur, euh, sur Blue Sky c'est Waris Seville alors du coup je, je dis n'importe quoi depuis un moment d'ailleurs parce que ça fait longtemps que tu regardes cette matinale et j'ai vu une autre série aussi ce week-end euh, c'est Rivals Rivals je sais pas comment Rivals euh, je dis Rivals mais c'est rival rival sur euh, euh, une reel une reel sur la télé-réalité, ok, d'accord. Ça, ça, ça m'intéresse du coup. Mais Rival euh, rival, Wariseville, ok. C'est ça, ok. Euh... En plus, ça veut tout dire. Euh, mais elle est complètement déconnectée. Les reportages inside étaient flippants alors qu'elle euh, qu était contrôlée par elle. Ouais. <laughs> ouais ça m'étonne pas. Wariseville. Un réel, c'est bien, mais la dernière saison est bof. Unreal, unreal, ok. Euh, alors, Rival, 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 je ne sais pas comment le prononcer, mais bon, c'est une série avec David Tennant, le David Tennant, qui joue un rôle d'une personne horrible. <laughs> Et on l'adore quand il joue des personnages horribles comme ça. Et euh, ça se passe dans les années 80 en Angleterre, et c'est euh, la, la genèse de... Enfin, euh, c'est euh, des, des productions de, de télévision aussi, donc c'est marrant parce que c'est aussi dans le thème de la télévision, euh, mais c'est pas vraiment la télé-réalité pour le coup. C'est des productions de télévision qui euh, sont, euh, qui se, enfin non, c'est une télévision qui euh, qui euh, produit une émission avec un présentateur vedette. Et en fait, c'est deux gars qui se, qui se, qui, se, qui, se, qui rivalisent l'un avec l'autre depuis très très longtemps. Et euh, et les deux sont, enfin l'un des deux, c'est David Tennant, rivals. <laughs> Et, euh, et c'est vraiment très sympa. La série est sortie cette semaine, enfin la semaine dernière. C'est une série en 8 épisodes, je crois que ça se regarde très vite. Donc j'ai regardé les deux séries euh, ce week-end. Donc c'est vous dire, je crois que j'ai commencé euh, vendredi ou jeudi euh, Rivol. Et euh, j'ai regardé culte euh, samedi, euh, toute la journée. Non, ou dimanche, je sais plus. J'ai fini culte dimanche, je crois. Ou je sais plus. Enfin bref, j'ai regardé la série, les deux séries ce week-end. Rivals c'est et culte euh, et, euh, et, et pour le coup, Rivol c'est vraiment bien. Culte, c'est un peu, enfin, euh, tu te dis bon, ils auraient pu aller plus loin quand même, mais euh, mais surtout, euh, tu t'es horrifié par ce qu'ils ont fait et surtout la personne qui a produit la série derrière, c'est la personne qui est représentée horriblement. Donc bon, c'est un peu perturbant, mais Rivals, c'est extrêmement malaisant. <laughs> si vous aimez être mis mal à l'aise par une série, regardez cette série, elle est géniale, elle est vraiment géniale. Ni chaîne ni maître, j'ai pas, pas vu. J'ai pas vu du tout. Mais, mais voilà, donc bon, c'était euh, pour introduire un peu cette matinale. On va, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Je propose qu'on avance. Et donc ce matin, je voulais vous parler de euh, la gauche et euh, de cette information que vous avez vue passer il y a quelques, quelques semaines maintenant euh, par rapport au député Hugo Prévost. Qui a été exclu de La France insoumise euh, la semaine du 9 octobre. Alors hop. <laughs> rien à voir du coup. Le député Hugo Prévost exclu du groupe La France insoumise en raison de faits graves à caractère sexuel. Des élus de sa circonscription en Isère appellent à sa démission. Les actes en question sont antérieurs à l'élection du député de l'Isère qui avait battu en juillet l'ancien ministre macroniste Olivier Véran âgé de 25 ans, Hugo Prévost a cofondé le syndicat L'Union étudiante qui dénonce aussi des faits pénalement répréhensibles. Il s'est fait lâcher de tous les côtés. Un article publié le 9 octobre dernier sur Le Monde. Euh, et ici, on voit une photo euh, du député en question, Hugo Prévost, à Grenoble le 15 septembre 2024, une photo de Jean-Baptiste Bornier. Le groupe parlementaire La France Insoumise a annoncé mardi 8 octobre avoir exclu le député de l'ISER, Hugo Prévost, pour des faits à caractère sexuel. Les écologistes et le Parti socialiste en Isère, ainsi que sa suppléante, ont quant à eux rappelé, appelé mercredi à la démission du député LFI. Monsieur Prévost n'a pas réagi dans l'immédiat. La gauche de droite. <laughs> le groupe explique dans un communiqué, pardon, avoir été saisi fin septembre 2024 par le comité de vigilance contre les violences sexistes et sexuelles. De la France insoumise concernant des faits graves à caractère sexuel pouvant relever d'infractions pénales antérieures à l'élection du député. Cet ancien syndicaliste âgé de 25 ans a été élu pour la première fois en juillet 2024 contre l'ancien ministre macroniste Olivier Véran, quand même. Quand même. Saluons au moins ça. Et du coup, maintenant, il y a une, il y a une partielle qui va avoir lieu là-bas, j'imagine. Après l'audition du député et au vu des éléments du CVSS, enfin du, ouais, du Comité de violences sexistes et sexuelles, ça contre les violences sexistes et sexuelles, le groupe parlementaire a réuni mardi a prononcé l'exclusion du député conformément aux principes de la charte signée par les candidats aux législatives, exigeant, euh, engageant à défendre les valeurs féministes et à combattre les violences sexistes et sexuelles. Il souligne que cette décision ne pourra jamais se substituer à une décision de justice et réitère son engagement sans faille dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le parquet de Grenoble a fait savoir, de son côté, n'avoir reçu aucune trace de plainte concernant le député. L'annonce du groupe La France Insoumise a suscité mercredi de nombreuses réactions en Isère. Sa suppléante Salomé Robin s'est dite dans un communiqué atterré et écœuré par ces révélations, faisant part de son soutien aux victimes, n'ayant absolument plus rien à voir avec Hugo Prévost. Je vous informe que je quitte mon rôle de députée suppléante dans l'attente d'une démission de sa part, ajoute-t-elle. La représentation locale des écologistes a évoqué un choc et déclaré ne pas pouvoir accepter d'être représentée par un élu accusé de faits aussi graves, appelant à sa démission de l'Assemblée. De l'Assemblée nationale. Même effroi au sein de la fédération du Parti socialiste de l'Isère qui a également réclamé une démission immédiate. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, a fait savoir de son côté sur X apporter son plein soutien aux victimes et saluer la décision rapide du groupe La France insoumise. Le parquet peut s'auto saisir. Ah ouais. Ok. Bah très bonne idée. Mais euh, je crois qu'il a démissionné. Hein. La France, mais il me semble, oui, enfin euh, je confirme qu'il a démissionné. La France Insoumise avait été secouée fin 2022 par l'affaire du député Adrien Quatemins, condamné pour violence conjugale qui avait rejoint les bancs de l'Assemblée nationale un mois à peine après sa condamnation. Le groupe La France Insoumise, exclut temporairement pendant, trois, pendant quatre mois, mais plusieurs députés euh, du mouvement avaient dénoncé ce retour. L'union étudiante qu'Hugo Prévost a cofondée rapporte de son côté dans un long communiqué avoir recueilli des témoignages faisant de état de faits de harcèlement moral et sexuel, de schémas de prédation et de faits graves pénalement répréhensibles à caractère sexuel. Ces faits s'étalent sur une période de 2020 à 2024 et se seraient poursuivis après le, le départ d'Hugo Prévost de l'équipe nationale en mars, ajoute l'organisation étudiante qui dénonce une volonté de contrôle sexuel et politique des femmes. L'organisation ajoute que la majorité des faits étaient connus de certains depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Elle demande que justice soit faite et exhorte le député à démissionner de son mandat. Euh, la plainte n'a vocation qu'à prévenir le parquet. Ok. Ok. Ouais, bah, c'est cool, ça. Du coup, euh, ça, ça m'intéresse de le savoir, parce que, du coup... Euh, voilà. et bonjour, Oxios. J'étais en train de penser, pendant que je lisais, là, c'est horrible ce que j'étais en train de penser, mais dans la série euh, Rivol... Euh, Rivals, Rivals... Rivals. <laughs> cette série s'appelle Rivals. <laughs> c'est juste ça. Dans cette série-là, donc, il y a euh, Bella MacLean, euh, Alex Hassel, Emily Attack, Aiden Turner, David Tennant, Danny Dyer, que des acteurs que vous connaissez pas à part David Tennant, bien, bien entendu. Et cette série, elle est sur Disney. Et il euh, y a des... Y a, alors, attention, c'est pour ça que je voulais le dire ça. Euh, trigger warning, il y a euh, un viol dans cette série qui n'est pas euh, montré mais euh, qui est sous-entendu, en fait, tu vois la, la personne se faire agresser et euh, tu sais qu'elle se fait violer, parce qu'en plus après, elle le raconte. Et, euh, et il y a aussi euh, pas mal de violences euh, sexistes et sexuelles, parce que ça se passe euh, dans les années 80. C'est une série Disney. Et ça, c'est juste extrêmement surprenant, parce que pour une série Disney, elle est extrêmement violente et malaisante. C'est genre la série Mickey, tu Pas du tout. <laughs> pas du tout. Alors je sais pas euh, je sais pas ouais, elle, est, elle est sur Disney alors je sais pas par qui elle est produite mais euh, mais elle est diffusée sur Disney elle a été diffusée là euh, le 18 octobre donc c'est vraiment tout récent et, euh, et euh, bah voilà il y' a pas il y a pas la production c'est Disney quoi et c'est euh, et c'est vraiment très violent c'est psychologiquement violent enfin euh, il y a c'est drôle il y a des moments drôles. c'est romantique c'est mignon ça finit bien si ça peut vous rassurer, euh, mais, euh, mais c'est euh, malaisant à plusieurs, à plusieurs niveaux, à plusieurs endroits. À croire que quelque chose allait sortir et qu'ils s'en sont débarrassés avant que ça n'éclabousse trop. Mais bon, ça se passe dans les années 80. Tu, tu, parles, de, tu parles de la France insoumise. Rivals, merci, Lingonas. Ousekin, produit par Disney, je ne l'ai pas vu ça. Ousekin. Ah oui, d'accord, ok, intéressant. Oui, bah ça, c'est une bonne série qu'il faut regarder aussi. Sur la mort d'un étudiant, euh, euh, oui, voilà. Il faut regarder cette série aussi. Enfin bref, je, je, ferme, je referme une deuxième fois cette parenthèse. Donc le député euh, Hugo Prévost, qui a été exclu d'abord de, euh, de ce groupe, ensuite, je crois qu'il a juste tout simplement démissionné, donc Projet Arcadie. Elle avait fait un article aussi, je vais vous le mettre, je ne sais pas si on va le lire. Mais euh, voilà, juste, euh, il y a, a eu un article de Projet Arcadie sur la question. Hugo Prévost exclut de la France Insoumise et j'en profite pour vous dire que Projet Arcadie ne vit que grâce aux dons. Donc si vous souhaitez la survie de ce projet, n'hésitez pas à leur donner un peu d'argent. Je suis en train de, faire le, de préparer la description de... Euh, euh, la description de votre euh, de la vidéo que je vais publier après hein. désolée hop j'ai fait de la merde j'ai fait de la merde j'ai fait n'importe quoi et donc euh, pour finir avec cette histoire il y a euh, donc il a démissionné il me semble alors je sais pas trop euh, ce qui s'est passé après exactement parce que je sais qu'il y a eu euh, euh, voilà c'est ça il a démissionné dans la, dans la foulée donc Hugo Prévost a euh, accusé de euh, violence sexuelle, donc c'est même photo, euh, mais c'est un autre article. Il a démissionné, il a annoncé sa démission le même jour, le 9 octobre aussitôt. En fait, il, a, il, a, il est parti. Puis, alors, attendez, je vais copier ça aussi. Le groupe parlementaire La France Insoumise avait annoncé mardi avoir exclu le député pour des faits à caractère sexuel, et euh, il a démissionné dans la foulée. Donc ça, c'est un article qui date aussi du 9 octobre, et qui dit... Le député de l'Isère, Hugo Prévost, accusé de violence sexuelle, a annoncé sa démission mercredi 9 octobre dans la soirée. Je mesure la gravité des accusations qui me sont faites, je m'en suis défendu, je n'y répondrai pas publiquement. Prenant acte de la décision du groupe de la France insoumise Nouveau Front Populaire, j'annonce dès aujourd'hui la démission de mon mandat, a-t-il écrit dans un communiqué publié sur X. Voilà. Le groupe parlementaire La France insoumise avait expliqué mardi avoir exclu le député pour des faits à caractère sexuel. Les écologistes et le Parti socialiste en Isère ainsi que sa suppléante avaient quant à eux appelé mercredi à la démission du député La France insoumise. Le groupe Insoumis avait précisé dans un communiqué avoir été saisi à la fin de septembre 2024 par le comité de vigilance contre les violences sexistes et sexuelles de La France insoumise concernant des faits graves à caractère sexuel pouvant relever d'infractions pénales antérieures à l'élection du député. Cet ancien syndicaliste étudiant âgé de 25 ans a été élu pour la première fois en juillet 2024. On l'a déjà lu. Au moment de présenter ma candidature par le nouveau Front Populaire dans la première circonscription de l'Isère et lors de l'élection du premier et du second tour, je n'étais pas au courant de l'existence des accusations qui sont aujourd'hui portées à ma connaissance. De encore, Hugo Prévost, dans son communiqué, ce que je trouve hallucinant, c'est que le gars, il sait qu'il a fait des conneries, mais il dit ouais, mais je ne savais pas qu'on m'avait accusé... À... <laughs> Arrivé à l'Assemblée nationale, il siégeait à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. L'annonce du groupe LFI a suscité mercredi de nombreuses réactions et appels à la démission en Isère. La suppléante de M. Prévost, Salomé Robin, s'est dite dans un communiqué atterré et écœuré par ces révélations, faisant part de son soutien aux victimes. N'ayant absolument rien à voir, plus rien à voir avec Hugo Prévost, je vous informe que je quitte mon rôle de députée suppléante, ajoutait-elle. Olivier Véran a pour sa part réclamé une enquête. De son côté, le parquet de Grenoble a fait savoir mercredi n'avoir reçu aucune trace de plainte concernant le député. C'est ça, merde, ça a fûté, quoi. Et bonjour, clic argentique. Comment vas-tu On peut pas leur reprocher d'avoir agi bah, par peur qu'on les accuse de ne pas avoir agi. C'est vrai. Et bonjour, euh, Rome Léchev. Je, je t'ai dit bonjour, je t'ai pas dit bonjour. C'est la première fois que tu écris, donc bienvenue parmi nous. Damien Le Rouge a annoncé avoir été désigné par la FI locale. Alors justement, on va en parler. Et c'est qui euh, d'ailleurs, Damien Le Rouge C'est pas à droite qu'on démissionne. C'est pas du tout le genre de truc qui se passerait à droite. À droite, il serait fier. Il dirait oui, je l'ai agressé sexuellement. Et alors <laughs> Comment la partielle Est-ce que du coup, là, ce qui s'est passé, bah, ça a généré une élection partielle en Isère, donc sur la première circonscription de l'Isère et, euh, et en fait, bah, c'est le bordel. C'est le bordel. Tout ça, à cause de la démission d'Hugo Prévost, c'est devenu la foire d'empoigne. C'est ce que dit cet article du HuffPost. Comment la législative partielle en Isère vire à la foire d'empoigne entre partis de gauche. Euh, parce que bah, du coup, c'est une circonscription qui est gagnable à gauche. Ça veut dire que, bah, comme il y a eu un élu, euh, la France Insoumise, qui a été élue là-bas. Et euh, bonjour euh, Gérard Numeau, qui a été élu là-bas et qui est démissionné. Il a été élu contre Olivier Véran, donc ils se sont dit bah, c'est une, une circonscription gagnable à gauche. Donc du coup, on va présenter d'autres personnes à la place de euh, d'Hugo Prévost. Le problème, c'est que euh, bah, le nouveau Front Populaire, c'était une belle alliance qui avait, eu, euh, qui avait été montée pour, euh, pour les élections législatives de juillet 2024 pour peser contre la Macronie et contre euh, le, Front, le Rassemblement National. Mais là, oui. Maintenant, c'est le bordel. C'est-à-dire que euh, là, il n'y a plus de nouveau Front Populaire qui tient. Là, C'est euh, chacun pour sa gueule maintenant. C'est une partielle et c'est chacun pour sa gueule. Donc après le refus de Lucie Casté, qui avait été envisagée pour être candidate là-bas, euh, la circonscription est le théâtre d'un bras de fer entre insoumis et socialistes. Alors moi, je veux juste voir quand même, parce que ça m'intéresse. Lucie Casté, législative. Pourquoi 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 est-ce qu'elle a refusé de se présenter là-bas Alors que, bon, elle a juste. Euh, sa carrière est complètement brisée à cause de, cette, euh, de, cette, euh, de cet engagement à être première ministre. Elle a plus de taf, elle a plus rien. Et donc, elle a refusé d'aller euh, concourir à une élection législative où elle aurait pu jouer euh, un peu le, le jeu de la chaise musicale entre les différents groupes de la, du Nouveau Front Populaire et peut-être faire le lien entre les deux, entre les trois. Quatre, combien ils sont <laughs> Aussi. Euh, la candidate euh, renonce à se présenter à la législation, les, alors euh, la candidate au, à la première euh, ministre, quoi. Et euh, elle a refusé le parachutage et, risqué, euh, parachutage et risqué de perdre, effectivement. La candidate du nouveau Front Populaire pour Matignon estime que les conditions n'ont pas été réunies pour qu'elle puisse continuer à agir comme trait d'union de la gauche. J'ai envie de dire, il y a de l'eau dans le gaz. <laughs> Oui, c'est ça, c'est parce que les filles est obligé à être les filles, mais on va lire euh, l'article. Ici, on voit Lucie Casté lors d'un débat à la fête de l'humanité en 2024, euh, une photo de Chang Martin. Je n'y vais pas, je considère que les conditions de ma candidature n'ont pas été réunies pour cette partielle, a déclaré Lucie Casté vendredi à l'AFP. La candidate du nouveau Front Populaire pour Matignon abandonne le projet de se présenter à l'élection législative partielle dans l'ISER, mais estime néanmoins qu'il faut tout faire pour que la gauche gagne de nouveau cette circonscription. À cheval sur Grenoble et une partie de sa banlieue nord. Ce qui m'a été proposé ne me permettait pas, selon moi, de continuer à agir comme trait d'union de la gauche, a expliqué la haute fonctionnaire de 37 ans, ce qui ne souhaitait pas siéger au sein du groupe La France Insoumise à l'Assemblée. Le parti de Jean-Luc Mélenchon en faisait au contraire une condition non négociable pour lui accorder l'investiture et briguer le siège laissé vacant par la démission d'Hugo Prévost. Ce que, ce, que, ce que la France insoumise, ce que elle voulait, Lucie Castet c'était de passer d'un groupe à l'autre pendant toute la durée de son mandat pour faire le lien entre les différents groupes. C'était sa stratégie. Ce que la France insoumise lui a dit, c'est non ma grande, c'est pas du tout ce que tu vas faire. Parce que je dis ma grande parce que c'est Jean-Luc Mélenchon et qu'on sait tous que Jean-Luc Mélenchon c'est un groupe paternaliste. Donc c'est eh ben non ma grande, tu vas pas du tout faire ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas siéger dans le groupe de la France insoumise parce que c'est la France insoumise qui t'a construite. En fait, voilà ce qu'a dit la France insoumise. <laughs> C'est pour ce genre de choses que je ne supporte pas la France Insoumise. En fait, c'est pour ça, en fait, ce genre de truc-là qui fait que, euh, que la France Insoumise pour moi est un, une organisation qui me débecte parce qu'ils ont ce genre d'attitude. Vous savez pas ce qui s'est passé l'autre jour Alors, je l'ai supprimé là, mais euh, j'ai un article aussi sur. Il euh, y avait Mathilde Panot. Alors, je vais pas lire l'article, mais je vais vous raconter un peu le truc. Mathilde Panot qui organise une, une conférence, euh, je ne sais plus où. Il y a une élue, ancienne élue de la France Insoumise, qui se pointe, qui se fait virer manu militari de la conférence parce que tu comprends, elle est pas la bienvenue. Et donc, elle se fait vraiment violenter, apparemment, c'est ce qu'elle raconte, Et elle, elle a déposé plainte. <laughs> elle a déposé plainte contre la France insoumise pour violence. <laughs> non, mais voilà quoi. <coughs> Ce qui m'a été proposé me, ne me permettait, selon moi, me, ne, ne me permettait pas, selon moi, de continuer à agir comme trait d'union de la gauche, a expliqué la haute fonctionnaire. Euh, ah oui, pardon, j'ai déjà lu. Une personnalité rassembleuse. L'option Lucie Casté a rapidement été avancée et il intéressait c'était aussitôt dite prête à aider, mais pas à n'importe quelle condition, et en particulier celle de rejoindre le groupe le plus représentatif de la diversité et de l'union de la gauche. Comprendre le groupe écologiste où se trouvent en plus des Verts des membres de génération et les anciens frondeurs insoumis comme le député de la Somme François Ruffin. Ok, je ferme ça. Ok, s'en fout en fait. Ok, c'est la seule qui peut gagner la circonscription. vanté même un cadre du parti des écologistes pour qui la valeur ajoutée de Lucie Casté c'est de ne pas être éléphi, un avantage sur ce territoire englobant Grenoble et des banlieues plus aisées historiquement à, ancrées à droite jusqu'en 2007. Voilà. Donc, elle a refusé d'y aller parce que Jean-Luc Mélenchon faisait une condition sine qua non c'était si tu veux le soutien de la France insoumise, alors tu t'engages à siéger au groupe de la France insoumise. Et puis Castet, elle voulait siéger chez les écolos. Elle avait de grosses demandes, effectivement. Mais après, on a, on a vu qu'elle avait, euh, avait finalement euh, elle avait laissé tomber ses demandes. Alors, donc, comment la législative partielle en Isère vire à la foire d'empoigne entre partis de gauche pas bah, du coup, comme pas de Lucie Castet, du coup, pas de trait d'union, pas d'entente, pas d'union, pas, euh, pas de belle union, comment on dit euh, D'union. Euh, euh, je sais plus comment on dit. Après le refus de Lucie Castet de se porter candidate, la circonscription est le théâtre d'un bras de fer entre insoumis et socialistes. Un article de Marceau Taburet, publié sur le HuffPost le 20 octobre, donc hier, c'est tout récent. Ici, si on voit une photo de Olivier Faure à gauche et Manuel Bompard à droite. Parviendront-ils à se mettre d'accord pour présenter une candidature commune dans l'Isère Rien n'est moins sûr. Une photo de Ludovic Marin. Législative, les législatives partielles sont souvent des bombes à retardement pour la gauche. Plusieurs fois, l'exemple d'un déchirement s'est produit. À Paris ou en Ariège, les partis censés être alliés se sont durement affrontés, usant de mots durs et radicalisant leur position. Nouveau cas d'école en Isère où le nouveau Front Populaire peine à parler d'une seule voix depuis la démission du député LFI Hugo Prévost, accusé de violences sexuelles. On en a parlé tout à l'heure, donc on sait, <laughs> on est au courant. La France insoumise et le Parti socialiste tente chacun d'avancer leur pion, les premiers rappelant que la circonscription leur était fléchée dans l'accord du nouveau Front Populaire, les seconds estimant que le rapport de force est en leur faveur, ce qui ne réjouit pas les autres partis de gauche qui assistent impuissants à un bras de fer qui ressemble fort à une bataille pour le leadership à gauche. Il faut se présenter, il faut se préserver des méthodes de bourrin. A mis en garde la secrétaire nationale des écologistes Marine Tondelier ce 20 octobre dans Dimanche en politique sur France 3. Et ce n'est pas parce que des fois vous n'appréciez pas un truc qu'il faut surenchérir en étant encore plus bourrin. <laughs> je suis désolée, mais quand je dis ça, je me dis, sérieux, il bah, faudrait peut-être utiliser des mots de plus de deux syllabes dans ton vocabulaire, ma grande. <laughs> désolée, là, c'est hyper paternaliste de ma part. Bonjour, Had Youssouf, comment vas-tu? Je... Non mais c'est pas, c'est, je suis vraiment navré. C'est juste là le truc de, si vous n'appréciez pas un truc, il faut qu'il faut surenchérir en étant encore plus bourrin. <laughs> ok. Et bonjour Serena, comment vas-tu Ça va, merci. Ici on voit euh, qui Marine Tondelier qui critique euh, les euh, méthodes de Bourrin qui ont empêché la candidature de Lissy Castet en Isère. Alors attendez parce que je vais, on va écouter vite fait ce qu'elle dit quand même, quand même, histoire de, de pas dormir, de pas se coucher con ce soir. Et hein eh bah ben alors, j'ai plus de casque, j'ai plus rien, j'ai plus rien, plus rien qui marche. Ok, ça devrait marcher du coup, on va voir. Ah, j'ai plus rien. Euh, je sais pas, écoute, euh, je ne sais pas. Bah, le truc qui marche plus, en fait, c'est génial. Peut-être que ça va marcher cette fois-ci. J'ai plus rien. <laughs> Elle fait fondre les neurones. PS, c'est pire car ils adorent dans le conseil général, le métro, etc. Les vieilles politiques de droite. La censure de Mélenchon. Ouais, bah, c'est ça. C'est obligé, c'est ça. Non, mais je, je sais pas ce qui se passe encore, là. Ça m'énerve. Non, parce que euh, c'est chaque fois la même chose, là. C'est super gavant. Je sais pas si j'ai pas un truc. Euh... Ah, putain. J'ai pas de son j'ai pas de son hein plus rien ok ça veut même plus démarrer <laughs> c'est génial non j'ai plus rien alors attends est ce que je peux pas le faire ici ah, purée. on n'aura pas de son ce matin voilà voilà c'est euh, on est puni parce qu'on a dit des méchancetés sur la france insoumise pas je sais même pas où c'est en plus ça m'énerve je dois te faire une vanne sur le no code et la technologie <laughs> pourquoi non mais c'est en fait j'ai un problème de son globalement normalement j'utilise un truc qui démarre pas là ce matin et, euh, et du coup, normalement, j'utilise ça pour. Euh, c euh, ça s'appelle Style Series. Euh, c'est le client Style Series, mais euh, je sais pas, il veut plus démarrer là. Il a même pas envie de redémarrer. Il, juste, il est, il est planté. Et du coup, euh, ça me, ça me saoule. Depuis que j'ai installé ce micro, euh, à chaque fois, enfin, depuis que j'ai installé ce micro, je, je galère avec, euh, avec euh, mon, mon, réglage de son. C'est, c'est super galère. Du coup, je. J'essaye je, des trucs, mais il mais n'y a rien qui marche. Donc, tant pis, je ne suis même pas sûre que j'aurai un jour le son rétabli. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est la loose. C'est ça, on va mettre ça. C'est marrant, parce que là, vous l'entendez, on est d'accord. Hein. Vous avez bien entendu le test. <laughs> Et si je fais ça, du coup cette fois-ci. Eh ben non. C'est comme si c'était euh, si bloqué. Je sais pas. Comme si bon, mon PC avait bloqué le truc. Il n'y a pas un. Ah oui, attends, j'ai un voicemeter là. Je peux faire ça peut-être. Euh, je peux essayer ça. Ouais, essayer ça. Non. Je, je, ça m'énerve. Je promets, après j'arrête. Après j'arrête. <laughs> Alors, il est où le voice meter là On va tester ça. Super. Mais non, il n'y a rien qui marche. Euh... Ouais, ok d'accord pourtant pas du tout ça c'est pas du tout ça attends mais j'ai fait n'importe quoi en plus je veux mon casque là test J'aurais pas, pas le son ce matin. désolé je vais trouver une autre solution. Je sais pas trop laquelle, mais je, je, je vais débrouiller ça euh, probablement euh, tout à l'heure. Tant pis, pas de son. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, ce que je peux faire aussi, c'est éteindre et redémarrer mon ordinateur. Ça, ça marcherait très bien. Et bonjour Red Bull. Donc, on ne regardera pas Marine Tondelier. désolé euh, Lucie Casté voulait prévoir euh, pouvoir changer de groupe. La circonscription a été proposée à Lucie Castet, la candidate du nouveau Front Populaire pour Matignon, qui incarne l'Union de la gauche depuis cet été, a pris euh, quelques jours. La candidate, donc c'était euh, voilà, la candidate de l'Union Populaire du nouveau Front Populaire, je ne sais pas pourquoi je parle de l'Union Populaire. Bonjour, ZN de plus C. Est... La candidate du nouveau Front populaire pour Matignon qui incarne l'union de la gauche depuis cet été a pris quelques jours pour réfléchir à l'option pesant le pour et le contre. Elle a finalement refusé, car comprend-on, en échange de l'investiture, les insoumis exigeaient qu'elle siège dans leur groupe en cas de victoire, loin de l'idée d'une présence tournante au sein des quatre groupes de la gauche qu'elle avait imaginée. Et salut, Satrape Mandragora, comment vas-tu? Selon la tribune euh, dimanche, un cadre LFI lui aurait même lancé « Si tu y vas quand même, on mettra quelqu'un contre toi. »« C'est un énorme gâchis », soupire un député PS interrogé par le HuffPost. « Post. À l'Assemblée, Lucie Casté aurait été un moteur et nous aurait collectivement tirés vers le haut. »« Les Insoumis ont fait ce qu'ils savent le mieux faire, savonner la planche de tout ce qui n'est pas chimiquement pur. »« Je n'ose croire que la direction de la France Insoumise ait pu une nouvelle fois faire preuve d'un tel sectarisme », tente de son côté la députée européenne PS Emma Rafovitch. A l'inverse, les députés LFI ne mâchent pas leurs mots contre, contre ce qu'ils dénoncent être une trahison des socialistes. De fait, de fait, je regarde, je vérifie juste si mon micro marchait toujours, parce qu'on sait jamais. Je me disais, mais vous me l'auriez dit, je pense. De fait, le PS local fait savoir qu'après s'être réunis et avoir procédé à un vote, les militants ont décidé de présenter leur propre candidate, Amandine Germain, avec un argument le bon score de Raphaël Glucksmann aux élections européennes. Donc ici, on a un communiqué de presse du Parti socialiste de l'Isère qui dit qu'ils investissent Amandine Germain pour une candidature d'union. C'est bien, ils investissent une femme, c'est cool. Elle s'appelle Amandine, à la place d'un député qui a, qui, a été, qui a démissionné parce qu'il a quand même été l'auteur de violences sexistes et sexuelles. Bonjour Miel une décision prise à rebours de l'accord national du Nouveau Front Populaire qui prévoit de réserver la circonscription à la France Insoumise. Incompréhensible rupture unilatérale de l'accord du NFE par le PS, Fustige Antoine Léaumont. Quelle est cette volonté hégémonique Il y a ceux qui respectent l'accord et puis il y a le PS en Isère qui trahit, sagace aussi la députée LFI, Karen et le retour du hollandisme, je crois surtout qu'en en fait, le PS, ils en, a, ils en ont rien à foutre de la France insoumise et de la vie de la France insoumise, donc ils font ce qu'ils veulent et je trouve ça plutôt marrant. <laughs> C'était assez inélégant, je dois dire, à acquiesce Marine Tondelier quant à la volonté des socialistes de passer en force dans un territoire qui ne leur est pas dévolu. On ne peut pas travailler comme ça et chacun balancer ses candidats. On a essayé de le faire intelligemment avec Lucie Casté. L'intelligence en politique, parfois, ça ne suffit pas, estime-t-elle. Bah bon, oui, non, mais ils sont tous très cons aussi, faut dire. <laughs> et c'est pas euh, les couteaux les plus aiguisés du tiroir, hein <laughs> Il y en a plein des expressions comme ça, j'en ai vu plein l'autre jour, j'en ai retenu aucune, mais. C'était très drôle. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, réputé pour être favorable à l'union, ne s'est pas encore exprimé publiquement sur l'affaire. La gauche parviendra-t-elle à se mettre d'accord pour présenter une candidature commune Aucune date n'a pour l'heure été fixée pour l'organisation de l'élection. Donc on ne sait pas quand aura lieu l'élection. On ne sait pas qui sera le ou les euh, ou la candidate, candidate de la gauche. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est le bordel. Ma parole. Ils soutiennent la droite. Ils veulent Glucksmann. Vous voyez que c'est des blaireaux. Les PS, ils ont une tête à connaître le goût des feutres. <laughs> Pas que le PS. Hein. <laughs> Bonjour H. Ouais, c'est un peu le bordel euh, à, dans, la dans la circonscription de l'Isère, tu sais, où euh, Hugo Prévost a, a démissionné. Que c'est étonnant Je <laughs> oui. Bah, écoute. écoute, moi, je trouve pas ça surprenant non plus. Hein, c'est, euh, j'ai envie de dire, normal parce que c'est un petit peu euh, prévisible. Alors attends, je vais juste vérifier un truc. Ok. Ok. Du coup, pour finir cette matinale. Va, on va lire cet entretien. Alors, je ne je sais, je sais pas combien de temps il faut le lire parce que je, il me reste plus beaucoup. <laughs> vous avez les deux chats qui sont sur le, qui vivent là. En Mode. Oh, Qu'est-ce qui se passe Qui c'est qui tape à la porte Regardez le. Regardez le Loulou là, juste là. Ça va Loulou Ça va Loulou Et vous le chat aussi là-bas Ils sont. Qu'est-ce qui c'est En fait, il y a, a quelqu'un qui fait le ménage dans le dans le couloir. Alors je voulais. Je ne sais pas si je ne vais pas vous spoiler un peu. Je voulais qu'on lise ça. La France est-elle vraiment droitisée Et euh, le truc, c'est qu'il est assez long, cet article. Et il y a un autre truc que je voudrais qu'on lise aussi bientôt, je sais pas quand, euh, qui va être euh, voilà La pensée perverse au pouvoir, le livre le plus cruel jamais écrit sur Emmanuel Macron. Il est un peu long, mais euh, on pourrait lire ça. Alors, ça, j'ai déjà lu. Hop on va, lire, on va lire ça, ça va nous finir euh, la matinale. Sachant que je, je dois partir dans 15 minutes, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le lire ce matin. Je suis plutôt LFI, mais pour le coup, la France insoumise est en faute, ne serait-ce que de savoir, pas, de n'avoir pas fait de bonne, une bonne sélection de représentants, c'était difficile avec le temps imparti. Ils auraient pu mettre de l'eau dans leur vin sur ce coup, mais bon, au final, ça ne précipite qu'un peu ce qui allait se passer de toute façon. C'est ça. Dans le 29, il devrait y avoir deux députés de plus si la LFI n'avait pas imposé cinq candidats sur huit. Ah ouais? <laughs> la nouvelle gauche de droite. Il est long cet article, il est long cet article. Bon, on va le lire vite fait. On va le lire vite fait. Donc je l'ai mis euh, à l'écran. Puis la prochaine fois, on lira euh, ce, ce débat-là qui a, qui a l'air aussi très intéressant. Enfin, Peut-être pas la prochaine fois, mais bientôt. Je ne sais pas si vous avez vu passer euh, ce livre qui a été euh, publié, euh, écrit par Marc Joly, qui a été publié il n'y a pas très longtemps. Euh, la pensée perverse au pouvoir, le livre le plus cruel jamais écrit sur Emmanuel Macron. Un, livre, euh, un article de Jean-Marie Durand, publié sur Les Inrecuptibles le 8 octobre dernier. Et donc, ici, on voit une photo de d'Emmanuel Macron. Vous aurez reconnu une photo de Jacques McDougall. Euh, dans cet essai sociologique nourri de littérature psychanalytique, Marc Joly analyse la personnalité du président sous le signe de sa névrose, la perversion narcissique, le portrait au vitriol d'un mégalomaniaque sans scrupules. On a énormément de mal à rehausser la politique au niveau de la pensée, déclarait Emmanuel Macron en 2015, avant de devenir président. Lui. Euh, lui euh, n'en a aucun à rabaisser la politique au niveau de la pensée perverse, lui rétorque comme du tac au tac le sociologue Marc Joly dans un essai aussi désolant pour Macron que jubilatoire pour les lecteurs et les lectrices. La pensée perverse au pouvoir, peut-être le livre le plus cruel jamais écrit sur le président parce que le plus lucide et féroce dans l'exploration de sa structure mentale. Du coup, ça donne tellement envie de le lire ce bouquin, j'ai vraiment très envie de le lire. Qualifier Macron de pervers narcissique pourrait sembler un peu facile et risqué compte tenu du défaut bien connu de trop psychologiser les leaders politiques qui par définition ne peuvent jamais être les modèles de vertu tant le pouvoir les obsède. Pourtant, Jolie se refuse de jouer au psychologue de service comme tant d'éditorialistes politiques aiment le faire, car il se veut avant tout sociologue, spécialiste des œuvres de Norbert Elias et de Pierre Bourdieu entre autres, un sociologue simplement préoccupé par la prospérité actuelle des formes nouvelles de psychi du psychisme au premier rang desquels la perversion narcissique. Et en bon sociologue, qu'il est joli, c'est d'ailleurs qu'il euh, n'y a pas de prospérité de la pensée perverse qu'à la faveur d'une crise de la violence symbolique. Dire tout et son contraire, une matrice du pervers. Du pervers, attends, ce que tu dis, c'est psychanalytique. J'ai lu ça moi, psychanalytique. Peut-être, peut, peut qu'en fait c'est l'auteur qui, qui a raconté de la merde aussi. Euh, l'auteur de l'article, parce que peut-être que lui il ne sait pas ce que c'est la différence entre psychologie, psychanalyse et euh... voilà quoi. Mais j'ai pas, j'ai pas vu euh, psychanalytique. J'ai lu psychanalyse. Psychanalyse. J'ai pas l'impression. Mais si c'est psychanalytique, euh, effectivement, c'est de la merde, on est d'accord. La psychanalyse, euh... bon, voilà quoi. Au tout début. Ah. Peut-être qu'il s'est planté. Peut-être que c'est le, le, le journaliste parce qu'après, il ne réutilise pas. Et bonjour euh, Niaou Zaidang. Bienvenue parmi nous. Merci pour le follow. Dire tout et son contraire, contraire une matrice du pervers en travaillant sur l'œuvre du psychiatre donc c'est un psychiatre pas un psychanalyste Paul Claude Racamier de 1924 à 1996 créateur de la catégorie la perversion narcissique et après avoir écrit un livre sur le sujet la perversion narcissique études sociologiques euh, de 2024 Marc Joly a été très frappé au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale au printemps par la volonté de Macron de semer la confusion tout en affirmant vouloir clarifier la situation, dire tout et son contraire, une matrice du pervers, il a été voleur de clarté. Écrit euh, joli. Derrière la façade de jeune homme si parfait, une inquiétante carence du caractère, un troublant défaut de construction psychique, se laissait alors deviner. Selon le sociologue, il est difficile de ne pas être perturbé par la cohabitation entre, d'un côté, une ligne de force narcissique dont l'élitisme impitoyable et l'autoritarisme tout-puissant s'annoncent comme tels. Et de l'autre, un enrobage séduisant qui, sait, qui suggère tout le contraire. L'empathie, l'attention aux autres, le souci de protéger les plus faibles, le désir de donner une réelle chance à tout le monde, le sens de l'intérêt général. Marc Joly s'appuie ainsi sur les thèses fondatrices de Racamier qui rappelait que la vérité n'importe pas au pervers narcissique. Aucun scrupule n'arrête le narcissique en son triomphe, rien ne lui résiste. « Tout lui appartient, tout doit se soumettre et plier. De tous côtés, il commande, surveille et dirige », rajoutait-il comme un résumé descriptif de la personne de Macron, « chez qui se conjoignent deux fantasmes de toute puissance masculine, la toute puissance du tycoon disruptif auquel aucun obstacle ne résiste, ne résiste et la toute puissance du père de la nation ou du monarque dont la parole souveraine reflète la, une vérité inaccessible au commun des mortels ». Son incapacité à nommer une première ministre de gauche tient autant à ce narcissisme mégalomaniaque qu'à sa fonction objective de président au service du capital, précise Jolie. Comme tous les pervers narcissiques, la, la contradiction n'est pas le problème de Macron. Sans dette ni filiation aucune, il n'a jamais de compte à rendre. Il n'est jamais responsable de rien. Il ne comprend rien alors qu'il croit tout comprendre. Macron est incapable de prendre la mesure de la contradiction entre sa soif individuelle de pouvoir souverain et la faible disposition sociale à accepter une autorité qui ne fasse pas la preuve de sa contribution au service de l'intérêt commun, affirme Joly. Incapable de considérer une autre, un autre point de vue que le sien, inaccessible à la moindre remise en question autre que posturale, Macron démontre son incompétence fondamentale en matière d'évaluation de lui-même et d'appréciation des situations. Ce n'est même pas un costume que Marc Jolitaille au président pour l'hiver à venir, c'est un diagnostic appelant un traitement médical, psychique et politique qu'aucun médecin ne sera capable de lui prescrire. Certes, l'histoire politique n'est pas pleine de gentils et innocents animaux politiques, surtout lorsqu'ils arrivent au sommet du pouvoir, mais euh, même du temps de Nicolas Sarkozy suscitant à l'époque beaucoup de diatribes courroucées contre sa présidence bling-bling, jamais un président en exercice n'a connu un tel réquisitoire. Celui mettant à nu un mode de fonctionnement visant à embrouiller pour nuire et à nuire en embrouillant, gare au pervers. C'est un peu psychophobe, je suis d'accord. Euh, wariséville, je suis complètement d'accord. Un sociologue qui s'est pris pour un psychiatre pour verser sa bile, même si on n'aime pas Macron. C'est vrai que ça, ça donne un peu l'impression que le gars s'est juste lâché, quoi. Je dirais plus qu'il se comporte comme un chef de projet et pensait manager la France comme un manager. Tu trouves pas ça cruel De quoi diagnostic à distance, façon marabout qui répare les ordi à distance. Qui répare les ordi à distance, c'est ça. Ça donne pas envie de le lire. Alors ça, ça m'intéresse, mais si je le lis un jour, ce sera plus dans quelques années quand il sera gratuit à la bibliothèque, peut-être si un jour je m'inscris à la bibliothèque, ou alors le trouver gratos sur internet. Tu sais, c'est le genre de truc qui finira gratuit au bout d'un moment. Manager, ça donne Fallout. C'est vrai. C'est vrai. Psychophobe et dépolitisant, effectivement. Et puis surtout, le gars, il ne l'a jamais rencontré, si ça se trouve. Ou alors, il l'a peut-être rencontré, mais vite fait, comment est-ce que tu peux euh, sortir un diagnostic sans avoir vraiment euh, discuté avec, le, euh, avec la personne Juste à la, à la lecture de certains articles de presse ou euh, en envisageant certaines décisions euh, par ton petit prisme. C'est un peu triste. Donc je, je pense pas, effectivement, Je là, tu vois, après, après avoir lu l'article, au départ, je me disais, ouais, ça peut être intéressant. Puis là, en fait, bof. Euh, Peut-être peut euh, pour aller aux toilettes. <laughs> Genre de bouquin qui fait chier. <laughs> non, non, même pas oh. Après, c'est surtout le, le côté de livre le plus cruel jamais écrit sur Emmanuel Macron. Ça donne quand même un peu envie. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Enfin, bref Il peut être pervers narcissique et l'outil de la bourgeoisie qui veut écraser impitoyablement toute possibilité de, la survie, euh, de survie de la population sur Terre, peut-être. Vendredi dernier, il y avait l'historien Manoni sur la chaîne d'Opost et il a sorti un livre sur le langage utilisé par les politiques depuis Sarkozy. C'est plus intéressant probablement effectivement. L'analyse de Klemovitch arrive aux mêmes conclusions sans le côté psychophobe avec juste l'analyse du discours. Bon bah du coup ça rassure un peu quand même. Si on ne fait pas de diag sans euh, le rencontrer, ça c'est vrai. Évidemment, ça tape sur Macron donc on aime. <laughs> c'est notre petit plaisir coupable, taper sur le président. Mais en même temps, on est tous d'accord pour dire que Emmanuel Macron c'est un mauvais président. C'est bien parce que du coup, euh, on peut être la France insoumise, les écologistes, euh, euh, Génération, Parti Socialiste, etc. Euh, même même Rassemblement National finalement. <laughs> Tout le monde déteste Macron. C'est. Euh, ouais, bref. Au mieux, divertissant comme bouquin. Surfait, mensonger et prétentieux. D'accord, merci Seb. Bah, et bonjour à toi. C'est pour voir des mecs qui bavent. Et qui savent parler, moi je préfère attendre le téléthon et leur faire un don plutôt que de lire des trucs comme ça. Et bonjour Colé KB, je suis seule à ne pas recevoir les notifs pour le live. Non, je crois que Franck aussi ne reçoit pas les notifs pour le live. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ne reçoivent pas les notifs pour le live. Je ne sais même pas si je les ai activés. On ne le déteste pas pour les mêmes raisons, ça c'est politique. Eh. Je sais pas pourquoi d'ailleurs les notifs arrivent pas. Écoute, euh, j'ai pas. Euh, je sais pas. Oh. Euh, je veux bien qu'on regarde des drôles et mignons, mais j'ai pas de son, du coup, euh, ça va être un peu triste. Ça va être euh, drôle et mignon, mais un peu triste. Voilà, bon, voilà. Après, ça doit être de la musique, ça, donc c'est pas très grave. À chaque président, on se dit que c'est le pire. J'aimerais bien savoir si c'est réellement le cas pour Macron. Bah non, parce que euh, c'est le pire par rapport à tous ceux qu'il y a eu avant. Mais euh, quand tu sais ce qui va venir derrière, je pense que c'est pas le pire, non Enfin, qui que ce soit derrière, euh, ce sera pire que Macron. Et bonjour, Yann. Et c'est possible. Après, c'est vrai que focaliser sur une supposée pathologie, ça peut cacher une idéologie rance. Il Et... reste le petit jeune qui a couché avec une vieille d'enfance macho. <laughs> de qui tu parles Sarko était pire qu'Hollande. Ouais. On va dire que Hollande, c'était un peu... Euh, tu sais, il a un peu relevé le niveau, mais bon, il n'est pas resté, quoi. Bonjour, crotte de nez. <laughs> Bonjour, El Chico, qui a osé dire du mal de son grand altesse. <laughs> Commandeur bûcher. tu parles de qui Tu parles de Macron ou tu parles de Mélenchon Parce qu'on sait plus trop maintenant. <laughs> enfin, bref, on a fini là Non, on n'a pas fini. On a fini elle est, elle est déjà tournée une, une fois, elle a déjà fait le tour. Bon, il est 8h42. De toute façon, je vous ai dit, il faut que je parte parce qu il faut que j'aille au commissariat de police pour faire mon attestation de stationnement là. Donc je vais devoir y aller. Je suis désolée pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Je vois que vous êtes nombreuses et nombreux ce matin. Mais je reviens demain matin. Je serai là demain matin. De bonheur, de bonne humeur, comme tous les matins maintenant. 7h30 7h30 Vous êtes prêts Vous n'êtes pas prêts C'est trop mignon. Au revoir, petit canard. Petit ange. Ils sont trop mignons. Trop mignons, les petits chats. Les petits chats C'est pas des petits chats. Mes petits chats sont mignons <laughs> C'est des petits canards. Euh, bien. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais faire Oui. Euh, donc, je reviens demain matin. Demain, on va parler de. Euh, demain, on va parler de quoi Je vais essayer déjà de rétablir le son parce que c'est méga relou ça. Et euh, demain, on va parler de. On va parler de trucs. On va parler de Maggie Smith qui nous a quitté malheureusement. On va commencer par ça demain matin. Et puis, euh, on va parler de, de prêtres qui se drogue. <laughs> C'est trop mignon, trop mignon. Ce sera drôle, ce sera drôle et mignon demain matin toute la matinée. Euh, non, on va parler de, de prêtres qui se droguent. Euh, on va parler de détectives traqueurs de fraude réunis pour décontaminer la littérature scientifique. On va parler de ça. Si on a le temps, on parlera de la chouette d'or aussi qui a été découverte. Alors, on va faire un tour dans les actualités euh, sciences et technologie demain matin. Si vous voulez savoir de quoi on va parler demain matin, vous pouvez vous connecter sur le serveur Discord. Et puis, même si vous ne voulez pas savoir, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le salon dans lequel je mets tous les sujets. Euh, demain, c'est euh, sciences, technologies et divers, ce sera le thème, parce que j'ai plein de sujets dedans. Euh, bientôt, très bientôt, on reviendra sur, euh, sur, sur, sur euh, la France. Euh, C'est-elle vraiment droitisée Une Question. Euh, bonjour, bienvenue, oh, Sven. Parmi nous, merci pour le flow. Euh, on parlera aussi de France Travail, euh, qui euh, a des agents qui sont dégoûtés et qui se sont barrés. Et oui. Et, euh, et puis, on parlera aussi bientôt on reviendra sur euh, la campagne présidentielle, hein, bien sûr, des, des États-Unis. Euh, et, euh, et puis aussi sur l'arrivée la, sur de l'extrême droite, euh, droite au pouvoir en Autriche. Euh, ça, c'est un sujet aussi. Je Il vois, je vois, y a de plus en plus de monde. Je suis désolée, je file parce que euh, j'ai dit je devais partir à 8h45. Il est 8h44, donc euh, j'ai plus qu'une minute, même pas. Donc je vous souhaite une excellente journée, un excellent lundi, une excellente semaine. Si vous ne revenez pas, si vous revenez, je serai là demain matin à 7h30 comme tous les matins euh, en semaine. Euh, N'hésitez pas à revenir sur cette chaîne, à venir sur le serveur Discord. Je l'ai dit, à suivre la chaîne YouTube. Aimez-vous les uns les autres et dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que c'est important. On s'embrasse très fort tous. Bisous tout le monde. J'ai un chat derrière moi, j'ai une araignée derrière moi, t'as vu aussi. Ah Salut